Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Voilà, on est même un petit peu en avance. Ouais, c'est ça. Bon, avec le petit décalage, en vrai, ça va presque être bon. C'est bon, il y a du son, tu peux couper par là. Hop, on s'entend en double. C'est ça. Une fois, ça devrait vous suffire. Normalement, ça devrait vous suffire, ouais. Alors, bonjour à tout le monde. Vous êtes nombreux déjà. 73 sur le live, ça fait plaisir. Et oui, ça commence. Ça y est, c'est parti. Je suis nouvelle. Eh bien, coucou Eva et bienvenue si tu es nouvelle. Et bonjour à tout le monde, il y a déjà effectivement beaucoup de monde. Bonjour Lola qui est là depuis que j'ai lancé le petit truc de live et qui attend et qui discutait même toute seule au début. Voilà, et pour ceux qui ne peuvent pas rester jusqu'à la fin, eh ben, c'est pas grave, le plus important c'est que vous passiez nous voir. Et puis, si jamais vous voulez refaire des choses, il y aura toujours la rediffusion. Voilà, tu pourrais faire, je ne pourrais pas faire le bricolage, mais je regarderai quand même. Et bah, pas de soucis, ça pourra te donner des idées si vous voulez, une idée de pour la fête des pères, puisque c'est ce qu'on va faire ce soir, puisque après la fête des mères, et ben vous avez encore du travail. La fête des pères, c'est dans 2 semaines. C'est ça. Pas, ce sera passé dans 2 semaines. C'est ça, c'est ça. Bon, bah bonjour à tout le monde. Du coup, il y a encore beaucoup de monde qui arrive. Impeccable. C'est très très bien. Fatal Moon, à plus tard si tu regardes l'heure de la diffusion, pas de soucis. Pas de soucis, à bientôt. Alors, on demande pour des vidéos strings, on l'a déjà expliqué plein de fois, mais c'est le truc qu'on réexplique quasiment à chaque fois. Voilà, donc pour les vidéos strings, pour l'instant, on ne va pas en refaire, puisqu'on en a déjà fait pas mal et on est un peu passé à autre chose. C'est ça, exactement. Mais vous pouvez trouver plein de vidéos strings sur la chaîne et vous entraîner. Si vous arrivez à faire toutes les figures, bravo. Parce que même moi, je crois que depuis le temps que j'en ai pas fait, je serais incapable de les refaire. Ouais, j'avoue, c'est pas évident. Donc déjà, si vous maîtrisez toutes celles qu'il y a sur la chaîne, je crois qu'il y en a une bonne trentaine. Merci Lélé78, c'est trop gentil. Bye bye, Patagoon. Et merci pour les petites photos de tes créations. C'est très joli ce que tu as fait. Je ne peux pas rester. Au revoir pour ceux qui ne peuvent pas rester, qui sont venus nous faire un petit coucou. C'est trop gentil. Déjà gentil. Oui, on est même un peu en avance du coup, donc bah voilà, bon, on va démarrer tranquillement en vrai. Voilà, c'est ça, tout à fait. Il y a des nouveaux apparemment, voilà, impeccable, restez avec nous. Bienvenue à toutes les personnes qui n'ont jamais été là durant le live, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles personnes. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner au passage. Oui, tout à fait, c'est pas mal aussi. On a d'autres réseaux sociaux, on a Instagram aussi, on en a chacun un, le mien c'est Mandiabule. Tout simplement, voilà. Bon, après, il suffit de taper les commandes, certains doivent les connaître. Donc, alors, vous avez des bugs apparemment, non? Il y a Elodie qui disait que ça buguait apparemment, non? Personne n'a l'air de dire que ça bug. Moi, de mon côté, tout a l'air d'aller. Donc, dites-nous si jamais. Alors, si vous pouvez pas faire l'activité, il n'y a pas de souci, hein, que vous voulez juste la regarder, bah, vous pouvez juste la regarder. Donc, ce qu'on va faire ce soir, c'est une carte pour la fête des pères en forme de bulle. Notre petite bulle de BD comme ça, touc, quelque chose qui change un peu. Alors en fait, cette nuit, j'ai très mal dormi et j'ai eu cette idée. D'accord. Des fois, c'est utile. T'as eu une bulle pendant la nuit, voilà, une idée. Normalement, c'est une ampoule. Non, mais je cherchais quelque chose en fait que j'avais pas encore vu quelque part et qui sortait un peu des clichés, on va dire, de la fête des pères. Donc c'est cette petite bulle qu'on peut ouvrir et après il y a un petit cœur, vous pouvez mettre votre petit message, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors il y a Julia qui nous dit qu'elle a toujours pas reçu son badge, pourtant il y en a certains qui sont arrivés. Non mais j'ai une deuxième tournée en fait à envoyer, vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des adresses une deuxième fois. Donc les enveloppes sont préparées, je vais les poster demain, mais comme j'en avais plusieurs à faire et que j'écris les petits mots à la main, eh bien ça prend du temps. Ça m'a pris du temps. Donc certains les ont déjà reçus, désolé pour ceux qui attendent encore, ça va arriver, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça bug, alors il y a qui nous dit que ça bug? Une personne. Bon, j'espère que ça vient pas de nous. Ouais, il y a Mathéo qui nous dit qu'il a reçu son badge, par exemple. Ah, super. Voilà. Super, super. Alors... Moi, je suis belge, alors la fête des pères est déjà passée. C'est vrai qu'on pense pas à ça, en oui, c'est décalé. On devrait regarder un peu pour les francophones, les dates, pour des fois anticiper un peu plus. Mais il y a des tutos de l'année dernière. Oui, voilà, c'est ça, tu peux toujours retrouver... Voilà, oui, c'est vrai que la fête des mères, c'était vachement avant nous, dans plein d'autres pays, et la fête des pères, du coup, je pense aussi. J'étais au courant par la fête des mères, mais je n'avais pas fait... Le live dure combien de temps? En général, ça dure à peu près jusqu'à 22 heures. Voilà.
Et donc, pour ceux qui demandent pour les badges, c'était des petits badges, je crois qu'on en avait voilà, beaucoup là pour j'en le coup. avais mis un tout à l'heure. On n'en a plus énormément, mais vous pouvez continuer à faire vos demandes. Après, je vous dis, je mets un petit peu de temps à les envoyer et la poste, c'est assez long. Je les envoie demain, je pense que ça va bah, un petit peu pour plus la d'une deuxième semaine. fournée, pour la deuxième Voilà, tournée. c'est ça. Qui met un petit peu plus d'une semaine. Si vous me demandez vos badges ce soir, je ne pourrais pas les envoyer demain parce qu'il faut que je prépare Et donc tout. Pour ceux qui demandent c'est quoi les badges C'est des petits badges Je peux pas, j'ai Manza qu'on peut accrocher Voilà. sur ses vêtements et qu'on vous offre. Il suffit de nous envoyer votre adresse postale voilà, par mail. Voilà, postale par mail, tout simplement. Voilà, donc le mail c'est julia@manzabulle.fr où vous pouvez taper la commande mail, point d'exclamation mail dans le chat et vous l'aurez. Voilà. Et... Mais il nous en reste plus beaucoup, donc ceux qui veulent en avoir, il faut faire la demande assez rapidement voilà. maintenant puisque donc aussi bon anniversaire à oui oui qui est son anniversaire demain d'accord c'est dire, mais un okay, petit peu en avance bon anniversaire un petit peu en avance donc pour avoir le badge envoyez nous votre adresse par mail tout voilà. simplement votre adresse et si ça a fonctionné en hein, Mathéo ça et met toujours un petit peu de temps faut, ça s'affiche juste au-dessus aussi que vos parents soient d'accord oui si bien vous sûr n'êtes pas adulte pour envoyer l'adresse hein, parce que tout le monde ne veut pas forcément envoyer voilà, son adresse voilà demander l'autorisation à un adulte bien sûr voilà. si vous n'êtes pas un adulte faisons le point un petit faisons peu, le point sur ce qui faisons s'est passé. On a des trucs à dire en plus en vrai on quand a même. Des trucs à dire quand même parce que donc il y a une vidéo qui est sortie vendredi si vous l'avez pas vue on a fait un petit jeu où voilà, on se dessine dans le dos sympa. C'était assez rigolo allez la pas voir et tester parce que c'est vraiment chouette comme jeu et on a bien rigolé il y a aussi une vidéo qui est sortie mercredi une vidéo fête des pères avec trois idées cadeaux dont une très simple à imprimer en fait vous pouvez retrouver des patrons pour faire des tickets en fait fête des pères et ça c'est assez sympa donc petite info, on l'avait déjà dit la semaine dernière et vous l'avez peut-être déjà remarqué, les vidéos ne sortent plus le vendredi soir mais plutôt le samedi matin. Tout à fait. Voilà. Donc ça, ce sera sans doute définitif parce qu'on a vu que... bah en fait, nous, ça nous laisse un petit peu plus de temps aussi pour les finaliser. Le fait de les sortir le samedi matin, ça me libère le vendredi soir pour faire le, en plus pour faire du montage éventuellement. Donc du coup, ça aide un petit peu. Et surtout, ce qu'on a dit par rapport aux vidéos du vendredi, c'est qu'il est possible qu'il y en, enfin du samedi du coup, c'est possible qu'il n'y en ait plus tous les samedis. Voilà, on en a parlé. Parce que en fait, on voudrait faire des vidéos de meilleure qualité, on va bah, dire. C'est surtout que par exemple, temps. Là, on se rend compte qu'on veut faire le on clip faire de, le clip, voilà. de la chanson 24 heures qu'on vous a fait. Donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir aussi cette vidéo. Et ça peut prendre du temps de faire le clip. Mais quand on veut faire des gros projets comme ça, voilà, on une a... semaine, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et le problème, c'est que si on veut sortir une vidéo bah, en même temps que de travailler sur le clip, bah en fait le temps qu'on passe à travailler sur une autre vidéo, bah en fait ça nous permet pas de travailler sur le clip par exemple. Donc voilà. Donc c'est possible que maintenant, de temps en temps, il n'y a pas de vidéo le samedi. Mais dans tous les cas, nous l'idée c'est d'en avoir toujours qui soit en préparation. Voilà, voilà tout à fait. On nous a demandé quel était le matériel pour ce soir. Il faudra un crayon noir ou vous prenez les couleurs que vous voulez. Moi j'ai fait noir et rouge. Voilà, après vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas la cam duo pour l'instant. Pardon, j'ai peint noir et rouge, excusez-moi. Une feuille blanche, si possible un peu épaisse, sinon ça va fonctionner quand même, il n'y a pas de souci. Des ciseaux et de la colle. Il ne faut vraiment pas beaucoup de matériel, j'essaie de faire des choses assez simples. On m'a demandé aussi si je pouvais faire des vidéos avec de la pâte auto-durcissante. Alors j'en ai pas pour l'instant, mais peut-être si un jour j'en achète, je ferai des vidéos. D'ailleurs, en parlant du matériel, vous pouvez aller sur Utip. C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez regarder des publicités. Et quand vous regardez ces publicités, nous, ça nous rapporte quelques centimes. Et c'est ça qui nous permet, entre autres, de racheter un petit peu de matériel. Voilà. Donc là, c'est vrai que le Utip, il fonctionne pas énormément parce qu'on n'en parle plus beaucoup. Mais oui, c'est vrai, quand on en parle, ça permet que vous alliez voir un petit peu de pub. Et du coup, voilà. Donc j'ai plusieurs personnes qui disent que ça bug, mais en même temps, d'autres qui disent que ça ne bug pas. Chez nous, tout a l'air d'être OK de mon côté. Le live tourne aussi sur un ordi qui est là et ça fonctionne bien. Donc a priori, ça a l'air d'aller si ça ne marche pas très bien. C'est peut-être de votre côté, sinon essayez de juste de relancer le live et puis peut-être que ça va fonctionner de votre côté. Voilà. Voilà. Alors vous avez de la chance de vous avoir comme mari et femme. Oh merci. Merci, c'est très gentil. Mais c'est vrai qu'on a de la chance. C'est vrai. Donc en tout cas, moi, on je va trouve, peut-être quoi. Bah ouais. Oui moi aussi. Donc on va commencer tranquillement le tuto. La séquence de Julie, c'est ça? Voilà, c'est ça tout à fait. Il y a pas.
Tu as pensé à ma séquence? Oui, j'y ai pensé. En fait, on ne sait pas si vous nous entendez parler ou pas quand il y a la séquence, je ne crois pas. Voilà, et donc, il vous faut cette feuille blanche. Alors, la mienne est un peu grande, mais vous pouvez prendre une plus petite. Je suis désolée, j'ai les ongles pas très beaux, du vernis qui part. Je viens seulement de mettre la cam, donc... Et j'ai été un peu gratouillée dans le jardin avant de commencer. Voilà, donc on va prendre notre feuille blanche, on va y aller tranquillement. Ah, on nous entend un peu en fond quand même, quand il y a le petit jingle. D'accord. Donc, et voilà. On va... Oui, on est mariés. Réaliser cette petite carte, à savoir que, ce que j'aimerais, j'en ai pas encore parlé à Stéphane, c'est, si pour vous c'est compliqué de faire la bulle, j'aimerais faire un article sur le site internet. Le site avec un patron, ouais. Où toi, tu ferais une bulle en patron. En patron, ouais. Voilà, qui pourrait permettre de faire plus facilement. Un peu plus facilement, ouais. Voilà. Mmh. Donc, si pour ce soir c'est compliqué pour vous de faire cette petite carte, eh bien, d'ici quelques jours, il y aura un tuto qui sera disponible sur le site mansabulle.fr. Donc, n'hésitez pas à aller le voir, en fait. C'est ça, tout simplement. Je pense que je mettrai un petit post... Il sera là d'ici ce week-end, je pense. Voilà, on va essayer. Alors, pour ceux qui reparlent des strings, du coup, ça permet de temporiser un peu, parce qu'apparemment, il ne faut pas aller trop vite pour le tuto, certains n'étaient pas prêts, etc. Vu que tu as dit le matériel là, je pense que les gens, le temps qu'ils aillent chercher le matériel. Ceux qui parlent des strings, non, pour l'instant, il n'y aura pas de vidéo strings et pas de live... Il n'y aura pas de strings. Voilà. On est désolé, voilà. Mais on a fait une overdose. Ça ne sert à rien de répéter strings. Pour le moment. En tout cas, pour l'instant, il y en aura peut-être plus tard, mais vraiment plus tard. Mais pour l'instant, non. Voilà. Pas de strings. Du slime, pour l'instant, c'est pas prévu, mais après, si à un moment donné, on a une idée particulière avec du slimes, pourquoi pas. On verra. Voilà, donc pour commencer ce tuto, on va plier notre feuille en deux. Tac. Pour l'instant, ce n'est pas trop compliqué. Alors, hop, voilà, j'ai plié ma feuille en deux, ce qui va nous permettre d'avoir la base de la carte, en fait. Je vous laisse plier votre feuille. Elle est trop sympa, cette carte. Merci! Et ensuite... Alors, est-ce que... Alors oui, les badges sont gratuits, Manel. Oui, désolé. La vie, en fait. Donc oui, ils sont gratuits. Si tu veux faire la demande, c'est juste par mail. Il faut nous envoyer l'adresse postale. Alors, est-ce que je peux faire une médaille écrite meilleur papa? Alors, il y a déjà une médaille pour la fête des mères. Tu peux faire exactement la même médaille et mettre ton message pour les papas. Oui, d'ailleurs, si tu tapes médaille Mansabulle en recherche sur YouTube, tu dois la retrouver, je pense. Tu pourras faire une vidéo ananas. On a fait une aussi pour un truc rentrée des classes avec des ananas. Voilà, donc il y en a une avec plein de trucs ouais, d'ananas. Si tu cherches sur la chaîne, tu dois pouvoir trouver, ça doit dater de l'année dernière. Même un peu plus, je pense. Peut-être un peu plus, oui, c'est vrai que ça va vite. Donc, on va commencer par dessiner la bulle, mais en partant bien du haut, là. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais... Alors, est-ce qu'on livre les badges à Saint-Martin ou aux Antilles? En fait, je sais pas si on peut envoyer avec un simple timbre. Je sais pas, parce que j'ai aussi une personne qui m'a demandé, je crois, en Algérie. Et je ne sais pas du tout si on peut. Faut que je me renseigne. Envoie ton adresse et puis je regarderai. Si on peut, en fait. Faut qu'on puisse l'envoyer avec un timbre classique, quoi. Voilà. Donc là, je suis en train de faire la bulle. Hop, ici. Tac. Et je la fais revenir encore une fois tout en haut. Tac. Et je la renote ici. Pour que ce soit bien noir sur tout le contour. Hop. Voilà, ma bulle est prête. Je ne suis pas du tout prête. Eh bien, je vais attendre un petit peu. Alors. Bah, du coup, pour ceux qui. Si jamais il y en a entre vous qui ont. Ah, certains d'entre vous ont du mal à faire cette bulle. On essaye de mettre un patron pour faire la bulle assez rapidement. Et ne faites pas comme moi, parce que là, je viens de... Et je suis toute noire, là, et j'en ai... Non, mais comme d'habitude, en général, tu travailles toujours un petit peu comme un cochon. Hein. Voilà. Je voudrais pas dire, mais bon. Hein. Merci. Oh non, j'en ai mis aussi, là. Bon, essayez de faire plus proprement que moi. Ça serait pas mal. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va découper la bulle. Je vais découper tranquillement pour vous laisser le temps aussi. Ah, je crois qu'on est revenu. Ça a l'air d'être le cas. Ah, j'étais en train
Oui, on est revenu, apparemment. Ah, enfin, je crois. J'espère oui, que si ça je tape des mains, je me revois taper des mains ou pas. Dites-nous hein si ça oui, fonctionne. Ça a l'air, c'est bon. Il y a un petit décalage, mais on est revenu. Désolé. Décidément, à chaque fois qu'on fait. Normalement, bah, tu vas avoir un petit problème de réseau, je pense. Je ne sais pas trop. Mais bon, bref, c'est sauvé. Revenu, c'est le principal. Donc, on était en train de découper cette petite carte. Vous avez peut-être eu le temps, du coup. Bah ouais, du coup, vous avez eu le temps de finir le découpage, je pense, de la bulle, là. Moi, je suis en retard, du coup. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, on a fait un petit point sur la semaine, sur les tutos qui sont sortis. Sur les vidéos à venir. Sur les vidéos à venir, donc il y aura une vidéo tous les mercredis comme d'habitude. Et maintenant, la vidéo du vendredi sera publiée le samedi. Il n'y en aura peut-être pas tous les vendredis. Tous les samedis. Tous les samedis, pardon. Parce que par exemple là, on est déjà sûr qu'il n'y en aura pas samedi, puisqu'on va essayer de que la prochaine... De tourner le clip, parce que vous êtes nombreux voilà, à nous demander le clip. À nous demander le clip, et en fait le problème c'est que si on publie d'autres vidéos, on n'a pas le temps de faire ça. Donc voilà. Donc ça y est, une fois qu'on en est là, et ben il faut pour ceux que ça, pour ceux qui, si jamais ça marche pas pour certains ou ça bug pour certains encore, essayez de relancer le stream, ça devrait, enfin le live, ça devrait fonctionner. Donc vous pouvez écrire de la façon dont vous voulez. Moi j'ai fait des lettres un peu, je sais pas comment on appelle ça, un peu grosses, un peu en relief. J'attendais ton aide, mais tu ne m'aides pas. D'accord. Du coup apparemment Saint-Martin c'est bon parce que c'est une île française. Alexia a demandé à sa maman et du coup c'est les mêmes timbres qu'en France. Il me semblait bien mais je voulais pas dire de bêtises. Mais effectivement du coup c'est une île française donc a priori il y a pas de raison. Donc écoute, n'hésite pas à nous envoyer ton adresse via le mail, par mail directement, surtout pas en public et on vérifiera de notre côté. Mais ça me semble assez logique quand même que ça puisse. Alors après peut-être que ça mettra sans doute beaucoup plus de temps à arriver chez toi, mais ça devrait fonctionner. Voilà, donc je suis en train d'écrire papa comme sur ma première carte. Donc je vous montre pour les lettres, pour le P, donc je fais un trait qui descend. Après je fais un demi-cercle, même un peu plus. Je le redescends et je viens refermer. Et puis là je suis une forme de D. Voilà. Alors Réma, tu as arrêté quoi? Bah écoute, on est juste en train de commencer. Si tu veux rattraper, tu peux faire une petite forme de bulle comme ça en deux. Et puis tu peux rattraper. Voilà. Sinon tu pourras voir demain ou plus tard aller voir sur le site internet où on mettra le tuto et un patron à découper pour que ce soit encore plus simple. Donc pour le A, je fais un trait en diagonale, un trait droit là-haut. Et Manon qui nous dit qu'elle est dans son lit tranquille quoi. Et un autre trait en diagonale. Hop, tac, 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 tac. Je refais un petit triangle et voilà. Donc j'ai écrit papa. En dessous, j'avais fait trois piqueurs, un peu comme trois petits points pour dire, voilà, faut ouvrir pour faut avoir aller la, à la suite. Donc, je vais refaire la même chose parce que ça me plaît bien. Voilà. Merci Eno de nous suivre sur tous les réseaux. Ouais, merci, c'est trop gentil. Je suis désolée, hein, je suis concentrée. Donc là, j'ai fait mes trois petits cœurs que je vais venir colorier. Ah, excuse-moi, peut-être Manon, j'ai inversé les noms, c'est ça? J'ai dû lire en travers. Je me suis trompée de personne. Voilà, et on a le devant de la carte. Donc voilà, là la bulle elle est un peu plus grosse, vous pouvez faire une bulle un peu plus allongée. Et maintenant on va passer à l'intérieur de cette carte. L'intérieur de la carte, il est assez simple. Donc on va faire une petite languette ici pour pouvoir fixer un cœur qui se relève quand on ouvre la carte. Je trouve ça assez mignon. Et puis après, on pourra mettre... qui nous regarde en jouant à Animal Crossing, carrément. Chacun excuse-moi. Son petit message. Donc, pour cette petite languette, on peut récupérer un morceau de feuille qu'on avait déjà. Je vais récupérer mes 6 euros que Stéphane m'a volé. En fait, vous êtes beaucoup à nous regarder dans votre lit, finalement, du coup, que je parle de ça. Oui, les badges, c'est gratuit. Alors là, par contre, on arrive au bout, hein, comme on disait, mais... les badges sont gratuits pour ce qui nous reste. Et puis voilà. Voilà, donc j'ai découpé une petite languette. Ici, je vais faire un pli d'un côté. Un petit repli comme ça. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Un autre petit repli. Tac. Et ma languette, je la plie en deux. Je vais vous remontrer. J'ai fait un pli de chaque côté. Un là, des petits plis. Et j'ai replié ma languette en deux. Tout simplement pour pouvoir avoir mon effet. Faire une sorte de W avec des plus petites pattes, ou un M, mais avec voilà, des plus petites pattes. Quoi. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, c'est très simple, on va venir mettre de la colle sur une des petites encoches. Bonne nuit, Eno, du coup. Qu'on a plié ici, bonne nuit. Donc, je mets de la colle sur une de mes petites encoches là,
Tac. Et vous regardez tous le live dans votre lit, en fait. C'est bien ça, vous êtes tranquillou, à l'aise, relax. Voilà, une fois que j'ai fait, j'ai collé ma première petite pâte là, je vais venir mettre de la colle sur la deuxième. Alors Nathalie qui nous dit, Nathalie, je crois que c'est pas ton nom, ça doit être le compte de ta maman, je crois que tu nous l'as déjà dit. Je suis plus sûr à 100%, mais qui nous dit qu'elle a pas encore fait la bulle. Ah, donc tu pourras re-regarder demain, je pense, le tuto, oui. Ou aller sur le site internet. Mmh. Et donc, j'ai mis de la colle sur mon deuxième petit pli là. Et pour que ce soit plus simple, pour être sûr que ça arrive au bon endroit, hop, j'appuie bien sur ma languette. Et je viens refermer la carte et ça va se coller pile poil au bon endroit. Mais t'es trop maline toi en fait, hein. Et wow, voilà. On croirait pas comme ça, mais finalement... Vas-y, t'es méchant. Refais la bande. Ouais, c'est vrai que tu peux peut-être remontrer juste la je bande. Je remontre la bande. Allons-y. Parce que c'est quand même assez technique, il faut l'avouer. Il faut l'avouer. Tout ça sort de mon imagination de cette nuit. Quand ouais. Je te dis que j'ai mal dormi cette nuit. C'est ça, puis là, vous nous dites tous que vous êtes dans votre lit et nous, on est tous les deux, on est fatigués, là, on a envie d'aller. On est en mode, on serait bien aussi. Donc, ça sera quoi ma séance? Ça sera des petits quiz. J'ai fait une petite languette ici, comme ça. Je vais plier ici un rebord d'un côté. Tac, un petit tu rebord. Tu peux te rapprocher de la cam. Un petit rebord. A little rebord. A little rebord. Et de l'autre côté, je fais le même. Alors, little Eva, rebord. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Eva? Voilà. Et ensuite, je vais plier en deux ma languette pour que les rebords soient à l'extérieur. Tac. Voilà, la languette est pliée. Maintenant, il ne reste plus qu'à... On imagine que celle-ci n'est pas là. À mettre de la colle ici, là, sur une des languettes. Venir placer dans ma carte. Et coller, en fait. Et ensuite, je mets de la colle sur la deuxième languette. Je viens rabattre ma languette. Je referme le tout. J'appuie bien pour que ça colle. Et après, quand je rouvre, ma languette est fixée. Trop la classe. Ensuite... On va faire un cœur et comme je sais que vous n'avez pas tous des feuilles rouges, on va faire notre cœur sur une feuille blanche qu'on va colorier ensuite en rouge. Oui. Donc pour faire un cœur assez symétrique, je plie ma feuille en deux et je vais faire ma forme de cœur. Après vous faites comme vous voulez, vous pouvez faire une fleur, un cœur, suivant ce que votre papa aimait, aime, pardon. Un hibou, un serpent. Voilà, un appareil photo par exemple. Moi, ouais. J'aurais fait ça pour toi, tu vois. Toi, c'est des appareils photo. Ah ouais, et puis tu pouvais faire genre un petit flash, là. Exagère pas. Comme un flash. Ça aurait pu être voilà. Stylé. Et ensuite... Moi, je veux la version avec l'appareil photo. C'était pas mon père. Est-ce que tu m'as fait un cadeau pour la fête des mères? Non. Bon bah voilà. Tu méritais pas. Oh, il est méchant. Et donc, je vais colorier mon cœur en rouge pour que ça ressorte bien. C'est parti pour le coloriage. Si vous voulez des feutres qui colorient vite et bien, ces feutres-là, bisaquarelles, ça s'appelle, de chez Bic. On les trouve partout. Ils sont géniaux. Ça colorie vite, ça fait pas de marque. Pas de soucis, Alexia. Ils sont trop bien. Je n'ai pas de partenariat, mais c'est juste que franchement... Et Nawal te dit que tu es trop maline. Oh, merci. Et Manel te dit va doucement. Ah, pardon. je colorie vite avec mon feutre vis aquarelle, vous voyez. Non, c'est pas du tout un placement produit, hein. C'est juste qu'ils sont vraiment bien. Et que si un jour vous devez racheter des feutres, ils sont un petit peu chers, mais ça fait longtemps que je les ai. Et ils sont trop bien, vous voyez, ça colore vite. Alors, va doucement. Oui, je fais une petite pause le temps que vous ayez le temps de faire votre petit cœur. Tu es trop maligne. J'aime bien ce commentaire. C'est pas souvent qu'on te dit ça, c'est pour ça. Non, mais c'est quand j'ai dormi, là, cette nuit, je vous dis, je sais pas, j'ai eu un éclair. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire? Il n'y avait pas d'orage cette nuit. Comme... Oh, la blague. Qu'est-ce que je pourrais bien faire comme tuto pour la fête des pères? J'ai pensé à ça, je me suis dit, tiens, c'est assez simple, on pourrait faire pour le live. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, il faut qu'on réussisse à trouver des choses où tout le monde peut trouver... Le matériel, voilà. Parce que c'est vrai que pour les lives, c'est moins facile. On aime bien que vous puissiez, au moins en partie, le refaire avec nous. Enfin, Julie, surtout, parce que moi, je peux pas grand-chose. Normal, je m'appelle Shiney. Shiney, Shiney, je sais pas comment ça se dit, je suis désolée. Et ben, voilà. Désolée, mais c'est vrai que du coup, quand vous avez pas vos vrais noms, c'est très bien. En fait, quand les prénoms sont écrits, voilà, quand vous avez pas vos vrais noms dans les... C'est pas facile pour nous, ouais. Dans les pseudos, on peut pas savoir, on est désolée.
Bonjour, désolée, j'ai raté le live. Eh bien non, c'est pas encore fini. C'est ça. Donc, on est en train de faire une carte pour la fête des Pères. Si tu n'as pas pu rattraper, puisqu'on vient de commencer, tu pourras la refaire soit avec la rediff, soit avec le tuto. C'est pareil, dans le tuto que je vais mettre sur manzabulle.fr, je vais vous remettre les étapes pour la languette. Donc, si c'est compliqué pour vous de faire la languette là ce soir, gardez votre carte de côté et puis vous pourrez revoir les différentes étapes. Voilà. Et on redemande encore ce que ça sera, mon activité. Eh bien, ça sera des petits quiz. Des petits quiz sur un site qu'on a déjà utilisé. J'ai pas eu le temps de vraiment préparer un gros truc, du coup ça va être des quiz, mais en général vous aimez bien, donc voilà. Voilà, donc une fois qu'on a colorié le cœur, on vient le coller sur la languette. Tac. Tu peux trouver de la pâte auto... C'est Expert Manon qui nous dit ça. Tu peux trouver de la pâte auto-durcissante à Action. Enfin, en fait, en ce moment, t'as voulu aller à Action dernièrement. Ouais, mais il y a trop de monde. Mais j'ai pas envie, pour l'instant, d'aller dans les magasins où il y a trop de monde. J'en suis juste... Merci Manon. Donc, j'en suis juste à écrire papa. D'accord. Bah écoute, je pense que tu pourras regarder demain. Ah oui, tu as dit que Julie, elle était trop belle. C'est très gentil, merci. C'est trop gentil. Eva qui... Ouais, c'est vrai que vous êtes plein d'Eva. Alors, du coup, c'est pas facile. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, bah, vous pouvez remettre mettre votre petit message. Bonne fête, papa. Je t'aime. Enfin, ce que vous voulez à l'intérieur de la carte. Et comme je suis gentille, je vais retirer ma languette et je vais la refaire. Pour ceux qui n'avaient pas réussi à faire la languette. Tout à fait. Allez, c'est reparti pour la languette. Tiens, je t'offre mon petit cœur. Non. Donc, je vous refais une petite languette avant qu'on passe à, aux photos que vous nous avez envoyées de vos créations de la semaine dernière. J'ai de la colle partout. Pardon. Donc, pour faire la languette, on découpe une bande ici. Surtout, n'écrivez pas sur votre poêle. Non, c'est pas bien. Et ne collez pas des trucs sur la tête de votre camarade. Voilà, c'est ça. Merci, Laura. Donc, une fois que j'ai découpé cette languette, je vais venir faire un premier pli ici en haut. Un petit pli. Voilà, tout simple. Tac, premier petit pli. Hop. Alors, pour les créations qu'on va montrer, on montre pas toutes les créations qu'on a reçues. On montre les créations qu'on a reçues du live de la semaine dernière. Parce que sinon, on en reçoit trop et c'est compliqué. Donc là, si vous avez fait vos cartes, vous pourrez nous les envoyer, même si elles sont pas exactement pareilles. Si vous n'avez pas réussi à faire la languette ou quoi, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. On pourra les partager. Là, c'est des cœurs. On partage les cœurs origami. Donc j'ai fait un premier pli ici. J'en fais un deuxième juste en face. Vraiment le même. Voilà, c'est vraiment simple. Et tu plies en deux. Tac. Donc j'ai deux petits plis là de chaque côté. Et je plie en deux. Hop. Voilà. Ça vous fait ça, en fait. C'est quoi le jeu? Ça sera des petits quiz. Ensuite, je viens coller ma languette. Tu l'as acheté, mon cœur? Parce que j'aurais pu m'en servir. Non, mais il est tombé par terre, quoi. Je viens coller ma languette. Je vais offert, puis je vais lui reprendre. Donc, pour coller la languette... Tu ne l'as pas offert, tu me l'as collé sur la tête. Je mets de la colle ici, sur un des petits replis que j'avais fait. Tac, tac, tac. Hop. Et je viens coller ce repli à peu près, on va dire, 1 à 2 cm d'écart du pli du centre, là. Parce que si vous le collez trop au pli du centre, ça va pas bien fonctionner. Voilà, il est collé. Et ensuite, je plie ma languette comme ceci. Ici, j'ai le deuxième repli que j'avais fait tout à l'heure. Je viens remettre de la colle dessus. Alors, Marie qui demande des dédicaces. C'est vrai qu'on fait plus trop de dédicaces maintenant, surtout pendant les lives. Parce que sinon, c'est trop long. On est désolé. Oui. Et donc, une fois qu'on a fait ça, ici, on a notre petite languette. Les cartes, vous pouvez les envoyer par mail. En fait, par tous les trucs où vous pouvez nous envoyer une photo, quoi. Que ce soit par mail, sur Insta, un peu comme vous voulez, en fait, tant qu'on peut la recevoir. Donc, n'hésitez pas à taper point d'exclamation mail pour nous envoyer par mail les créations de ce soir. Tu vois, qu'est-ce que je dis? Non, c'est parce que tu m'as coupé. Tu me regardes avec un air bizarre. Bah, j'essaie d'expliquer. On s'en fout de ce que t'expliques, là. Non, personne s'en fout. Enfin, si, il y a peut-être des gens qui s'en foutent, mais j'essayais d'expliquer pour ceux qui n'avaient pas réussi. Donc, une fois qu'on en était là, j'avais mis de la colle ici sur le petit repli. Après, je viens refermer ma carte. Appuyer là où j'ai mis ma colle et la languette est prête. Comme par magie. Reste plus qu'à faire votre petit cœur et venir le coller sur la languette.
C'est ça, votre petit cœur ou autre chose d'ailleurs, comme on le disait juste avant. Voilà, si vous voulez mettre autre chose qui correspond mieux à votre papa, vous pouvez. Et puis, vous pouvez mettre à l'intérieur votre petit message. Bonne fête papa, je t'aime, tu es le plus beau, tu es le meilleur, tu es le plus grand, tu es le plus petit. Voilà, tout ça quoi. Et du coup, après, pour nous envoyer les créas, vous avez jusqu'à la semaine, enfin jusqu'à avant, tant que ça nous est envoyé avant le live, idéalement jusqu'au lundi. Je vous avoue que là, il y en a même un qu'on a reçu, allez, 5-10 minutes avant le live. Non, on l'a reçu à 18h30. À 18h30, pardon. Oui, d'accord. Voilà. Donc, mais c'est moi qui l'ai vu un peu avant le live. Lilita, voilà. On n'a pas vu ton message. Lilita, pardon. Merci Eva pour ton petit commentaire. Donc, voilà pour la carte Fête des Papas. Donc, comme je vous le disais, on va essayer de faire un article. Si c'est dur pour vous de faire la bulle, Stéphane vous fera un patron pour réaliser cette bulle. On fera même, peut-être même le patron vraiment comme ça, oui, à replier. Et après, vous aurez juste, voilà. Et moi, je vais faire étape par étape en photo pour que vous puissiez voir un petit peu toutes les étapes. Voilà, c'est possible de faire étape. Oui, exactement. Étape voilà, par étape. Merci Delphine. Comme on dit. Je vous ai envoyé une photo, tu l'as reçue. C'est possible, si c'est maintenant tout de suite, je peux pas te le dire. Et si c'est une photo de la semaine dernière, normalement j'ai réussi à mettre toutes les photos dans un dossier pour qu'on vous les partage. J'espère que j'en ai loupé aucune. On essaie. Vraiment, si on en loupe une fois, ne nous en voulez pas. Merci à tous ceux qui me mettent des gentils commentaires. Merci beaucoup. Jessica, voilà, ton rêve est réalisé, merci pour ton petit message. La qualité est mauvaise ou c'est mon téléphone? C'est possible que ce soit un petit peu... Qu'on n'ait pas un super débit ce soir, peut-être, c'est possible. C'est possible, voilà. Ça va peut-être revenir. Maintenant, on fait quoi? Eh bien, la question tombe à pic. Maintenant, on va montrer vos créations de la semaine dernière. Tout à fait. Et puis après, on fera la séquence de Stéphane, un petit jeu tous ensemble. C'est voilà. Ça. Alors, je prépare ça. Écran, paf, c'est parti. Donc là, vous allez normalement... Super, si ton petit frère est content, ça nous fait plaisir aussi. Merci, voilà, vous voyez les petites créations. Ah oui, t'as déjà fait la vidéo ananas, c'est ça? Alors, je ne sais pas si je vais en refaire une tout de suite, mais voilà. Peut-être que j'en referai une autre. Peut-être, je ne sais pas. Et bon anniversaire à Traoré. Bon anniversaire, Traoré. Donc, c'est parti. C'est parti. Du coup, la création de Camille. C'est Camille qui nous a envoyé son petit cœur origami. Et elle avait eu, elle avait refait un petit cœur, je crois, qu'il était passé dedans. Voilà, pour mettre à l'intérieur. Ça, c'est ce que je vous avais montré dans mon tout premier tuto origami de cœur. Là, on a la création de Charlotte. Charlotte, où elle a fait des petits yeux en forme de cœur à son cœur. C'est très mignon. Oui. Là, on a les créations de Fatal Moon. Tous les petits cœurs de Fatal Moon, de toutes les couleurs, avec les petits yeux, les petites expressions. Ils sont très chouettes aussi. Voilà. C'est de JRCPM. Voilà, encore plein de couleurs. C'est très joli. Tout à fait. Marina. Oui, ou Inès. J'avais un doute sur le fait qu'elle s'appelle Inès. Donc voilà, si tu es là, tu peux nous dire. Bah, moi, j'ai vu Marina dans le chat tout à l'heure. Voilà, mais je crois que Marina, c'est Inès. Mais je ne suis pas sûre, alors j'espère que je ne me trompe pas. Et ensuite, nous avons les deux créations, enfin les deux photos différentes de Matteo. Qui nous a envoyé. Avec un coucou les Manza, le petit cœur en situation et plein d'autres petits cœurs en régalité. Voilà, merci beaucoup pour Et on a encore Timothée aussi, parce que si tu... Ah oui, pauvre Timothée. D'abord, il y en a encore une autre après. Un bleu, comme nous, on avait nos t-shirts. Avec les... Ah oui, c'est ça, c'est nous en fait. Avec des beaux petits yeux kawaii. Oui, et on a encore Sabrina également, avec du beau papier. Voilà, du très beau papier origami, oui, que j'aime beaucoup. Et puis c'est bon, c'est fini en fait. Bah, on en a reçu pas mal finalement. Ouais, merci. On en a reçu beaucoup. Hein. Merci, ça nous fait toujours plaisir de recevoir vos créations, c'est vraiment très sympa. Donc si vous avez fait ces cartes, vous pouvez nous les envoyer. Si vous voulez pas que vos papas les voient et que les papas regardent le live, je ne sais pas, ça pourrait être possible. Eh bien, dites-le nous en commentaire, vous pouvez Matteo, nous envoyer vos cartes. Matteo, on s'est trompé dans ton nom apparemment, désolé. C'est Matteo. Ah oui, il y a un S. J'ai loupé un morceau peut-être. Excuse-moi. Désolée. Puis il n'y avait pas l'accent ni rien, mais bon, c'est Julie, ça m'a copié les trucs de travers, donc voilà. Voilà, c'est de ma faute. Alors, comment faire les savons, t'as déjà fait ouais. J'ai déjà fait une vidéo sur des savons, pour faire des savons en forme de glace. Donc, vous pouvez aller voir
sur mains à bulles, le tuto savon en forme de glace. Donc c'est fait avec des bases de savon qu'on peut trouver facilement sur... Je crois que je mets le nom du site, il me semble, je ne me rappelle plus du nom. Et après, vous mettez des colorants et tout ça, c'est très sympa à faire. Donc vous les envoyez comment, les photos de vos créations? Bah, vous pouvez les envoyer sur Insta, directement au message sur l'Insta de Manzabule. Vous pouvez les envoyer sur Facebook, voilà. Ou les envoyer par mail. Et si voilà. Vous voulez seulement nous montrer vos cartes, mais que vous voulez pas qu'on les partage, dites-le parce pas, que vous vrai. Voulez pas que vos papas les voient, dites-le nous, à ce moment-là, moi je vous répondrai, mais on les partagera pas lors du prochain live. Après, sinon, vous faites juste en sorte que votre papa ne regarde pas le prochain live et il n'y aura pas de soucis. Voilà. Hop. Alors maintenant on va passer. Je voulais juste retrouver ta vidéo de savon parce que hop, maintenant on la retrouvait pas. Je pense qu'on va la retrouver. Comme voilà ça. Comment fabriquer du savon. Alors elle est très vieille. Il y en a plusieurs en fait. Ouais, il y a plusieurs. C'est une vieille vidéo, on est d'accord. C'est une très vieille vidéo. Bon, ouais. Je te la partage quand même. Hop. Voilà, si vous voulez voir les vieilles vidéos, les montages ne sont pas terribles. Alors on ne répond pas, désolé. On n'a pas vu ton message, la farmer du 80. Merci Cristal. On répond au mail. Oui, on essaie de répondre au mail. Alors, autant que possible. Pas forcément tout de suite, mais j'essaie de répondre rapidement. Il n'y avait pas ta photo. Et bah, tu l'avais envoyée par mail. Désolée si on t'a oublié du coup. Oh, je suis désolée, j'ai peut-être loupé cette photo. J'ai essayé de voir. C'était par mail ou c'était sur Insta? Ou c'était sur Insta, ouais. Si on la retrouve, on va la montrer. Oui, comme la dernière fois. Comme on a fait la dernière fois, ouais. Il faut qu'on la retrouve. Ouais. Alors, est-ce que vous avez TikTok? Oui, on a un TikTok, pas très actif. Hop, désolé si on en oublie. C'est vrai que c'est pour ça qu'on hésite même à faire ce genre de truc, mais à partager un peu comme ça, parce que si jamais on en oublie, ça peut vous faire un peu voilà, mal au cœur. Et pour les personnes à qui on ne répond pas tout de suite dans le chat, on est désolé, mais il y a beaucoup de gens qui participent et on essaie aussi On ne peut pas lire tout le temps et répondre. Voilà, tout le temps. C'est ça. Non, le live n'est pas fini parce que maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a. La séquence. non mais je suis content avec mon petit... Alors Eva, n'hésite pas à nous dire si c'était sur Facebook ou sur Insta ou sur YouTube que tu as envoyé la photo. Par mail. Et ouais. Je vais essayer de la rechercher. Et si on la retrouve, on la repartagera à la fin du live. Voilà. Ok. Voilà. Du coup, ma séquence, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on... Bah c'est parti, hein, on va y aller parce que sinon on n'avance pas quoi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire madame. Donc, c'est parti. Merci Mathéo, c'est trop gentil. Mémé qui nous... Mémé, je sais pas trop du coup, désolé. J'étais à l'école. Aujourd'hui, c'était l'armée. C'est vrai que ça peut faire un peu bizarre au début, ouais, la façon merci dont c'est fait, mais bon, c'est normal, c'est aussi pour vous protéger. Et on habite en Normandie. Et donc la vidéo ananas, je ne sais pas trop quand est-ce qu'on va... Si on va en refaire une tout de suite. On est désolé vu qu'on en a déjà fait une. Tu voulais peut-être qu'on la partage et qu'on la retrouve. Celle qui existait déjà. Celle qui existe déjà et qu'on la repartage. Tu regardes? Je peux pas, moi. Ah, tu peux pas, donc c'est moi qui regarde. C'est ça, tu bosses un peu, ça te voilà. Fait du bien aussi. Alors, parce qu'il n'y a pas si que moi qui dois travailler tout non, le temps. Mais hein. J'essaie de répondre au chat. J'en ai marre, hein. Je sais que je suis là que pour allumer la caméra, mais bon, quand même. Je suis désolée du coup si je réponds pas au chat. Ah oui, du coup là, on vous a plus du tout, le chat. On vous a voilà. Plus là. Et moi, ça rame carrément, j'arrête pas à aller en fait sur YouTube. Non, bah désolée. Du coup, sinon, tapez ananas ouais, et puis. Vous cherchez ananas, manzanas. Et vous allez trouver parce qu'en fait moi je ne... Ah, ça charge. Avertissement. Non mais en fait c'est parce que t'es allé sur le tableau de bord là madame. Ouais. Bon, ça t'es pas allé au bon endroit. YouTube bon, bref, sinon on va continuer hein, parce que sinon on va pas avancer. YouTube. Et sinon, en plus là on peut plus lire, on se sent seul. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et du coup, voilà, moi j'essaye de meubler, mais meubler, bah là tu vois, tu l'as, ça y est. Ça y est, j'ai trouvé, je vais vous la partager, la vidéo sur les DIY ananas. Le prochain live sera quel jour? Mardi prochain. Et ben, en fait, parce tous les lives. Tous les mardis, normalement, à part voilà, décalage. Oui, on habite bien en Normandie. Le prochain live sera quel jour? Ça, je l'ai déjà dit, je viens juste de le dire. Donc voilà. J'ai partagé la vidéo ananas, donc vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. Sinon, vous pouvez aller sur la chaîne, scroller toutes les vidéos, comme ça vous pouvez voir tout ce qui vous intéresse. Mais j'espère que vous avez un peu de temps parce qu'il y en a une quantité assez... Je pense qu'on n'est pas loin de 500 en vrai maintenant.
Je saurais pas te dire. Bon, allez, bref, passons au petit quiz. Du coup, on est sur Kipo Quiz. On l'avait déjà fait ensemble, alors je pense que tout le monde était sans doute pas là. Je sais pas si vous connaissez ce site, mais il y a plein de petits quiz un peu différents et il est plutôt sympa. C'était McFly et Carlito qui avaient un peu mis en avant ce site sur un de leurs concepts. Oui, tu peux manger ta glace. Pas de souci. Du coup voilà, donc là je propose qu'on commence par les bébés animaux. Je trouvais ça mignon, voilà, j'avais envie et je suis sûr qu'il y a plein de trucs qu'on sait pas. Et du coup, voilà. Et Eva, je veux bien regarder, mais il faut que tu me dises si c'était sur Facebook, sur YouTube ou sur... non, sur Facebook, sur mail Insta ou par mail. Insta. Voilà, pour qu'on puisse retrouver. Donc on va partir pour ce petit quiz. Et puis le but c'est quoi? C'est qu'on essaye de répondre tous ensemble. En fait, on va regarder un peu ce que vous nous proposez. Et puis on va essayer de répondre pour répondre tous ensemble, puis apprendre des choses, voilà. On lance le quiz, c'est parti. Alors, vrai ou faux, la durée d'une grossesse chez les éléphants est de 12 mois. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est au moins ça. Ouais. Parce que vu la taille que ça fait... Alors, vous dites vrai ou vous dites faux, vous? Alors, ouais, on sonde un petit peu le... Alors, on ne va pas pouvoir refaire le tuto là tout de suite qu'on vient d'en faire, mais par contre, tu pourras l'avoir en rediff dès demain matin. Voilà. C'est ça, tout à fait. Et on va aussi le refaire sur le site, donc n'hésite pas à aller voir sur le site. Alors, il y a du vrai, il y a du faux, c'est plus. Moi, j'aurais dit 18 mois, moi. Donc, mais après, je me trompe peut-être, il y a du vrai, faux. Ça me semble pas mal, vrai. Tu triches là, tu vas voir sur Internet. Non, j'essaie de regarder pour Eva, mais j'arrive pas à retrouver en fait. C'est bizarre. Je n'arrive pas à retrouver, comme je ne sais pas si c'est sur Insta, tout ça. Alors, du coup, il y a du vrai, il y a du faux, il y a du vrai, il y a du faux. Toi, tu dirais quoi? Il y a beaucoup de faux, quand même. Du coup, maintenant, j'ai l'impression. Oui, nos enfants vont très bien. Bon, merci, alors, voilà. On regarde la réponse. Voilà, alors, du coup, oui, toi, tu aurais dit moi, quoi? Moi, je dis vrai. Toi, tu dis vrai. Moi, j'aurais dit faux, j'aurais dit 18 mois, mais alors, on va mettre vrai pour toi. On va voir. Oh, eh bien, non, c'était non, faux, et c'est même 22 mois, tu vois. 22 mois, waouh. Et non, mais à la naissance, il pèse en moyenne 115 kilos. Waouh. Hein. Donc, Faut qu'il se fabrique. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, sachez que nous, on a déjà vu des éléphants et des bébés éléphants. Ah, c'était trop bien. Fort, ouais. En fait, on est parti en Thaïlande, on a été dans un refuge pour éléphants. Peut-être il y a une vidéo sur notre chaîne secondaire. Oui, sur la chaîne secondaire, voilà, Julie et Steph, vous devez pouvoir retrouver. Je vais vous partager la vidéo. Et donc, on s'est occupé d'éléphants puisque c'était un refuge pour les éléphants. Parce qu'en fait, en Thaïlande, il y a beaucoup d'éléphants qui sont maltraités ou qui sont... exploité pour le tourisme, etc. Et du coup, le centre, nous, où on est allé, c'est un centre où, justement, ils réhabilitent... où ils protègent les éléphants, ils essayent de les récupérer. Voilà, et donc on s'est occupé pendant une journée en tant que bénévole de ces éléphants. Et c'était très cool. On les a lavés, on leur a donné à manger, tout ça, mais tout en respectant. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est très impressionnant. Parce voilà. Que c'est quand même assez grand, quoi. C'était le petit aparté. Oui, mais du coup, tu voulais aller... Voilà, je vais essayer de trouver la vidéo pour pouvoir la partager si vous voulez. Pendant ce temps-là, moi, je passe à la question suivante, le temps de la lire. Vrai ou faux, comme les chats, les tigres donnent naissance à 5 ou 6 petits par portée. Au revoir, Coolman, qui doit partir. Le live finit à quelle heure? Vers 22h. Voilà, mais là, ça risque d'être un peu plus long, en fait, parce qu'il est déjà 21h42, on a beaucoup traîné. Et que le temps qu'on fasse ce petit quiz-là... Voilà, et pour ceux qui ont raté le live, ne soyez pas tristes, il y aura une rediffusion. Il y aura la rediffusion dans tous les cas. Je vous ai mis le lien, si vous voulez aller voir après la vidéo avec les éléphants. Sinon, vous tapez Julie et Steph éléphants sur YouTube et vous allez pouvoir... retrouver. Voilà. Genre alors, moi, j'ai pas entendu cette question. Donc, comme les chats et les tigres donnent naissance à 5 ou 6 petits par portée, j'aurais dit possible, mais j'aurais peut-être dit un peu moins. Moi, je dirais faux. Moi, je dirais que c'est 2-3. J'avais faux tout à l'heure. Moi, je dirais que c'est 2-3. Alors, vous dites vrai, dans l'ensemble. Au revoir, Benarab Salia. Donc, il y a beaucoup vrai. De vrai. Ah non, il y a un peu de faux. Eva, elle dit faux. Eva, je suis désolée, j'ai pas retrouvé ta photo. Vraiment, je suis désolée. Vrai, faux. Bon, moi je dirais faux. Toi tu dis faux. Moi j'ai un doute parce que 5, 6 ça me paraît beaucoup pour des tigres. Dans le royaume, tu vois.
Ils ont un lion. Ah non, mais c'est des tigres. Là, on parle du tigre, on parle pas de lion, en fait. Ah non. Moi, je m'étais calquée sur le roi lion, quoi. À chaque fois, ils ont un bébé, mais en fait... c'est un tigre. Bon, vas-y, moi, je dis faux. Allez, vas-y, clique. Alors, du coup, tu dis faux, on clique. Vous disiez vrai. Eh bien, oui, c'est ça. Il donne 2 à 3, donc j'avais 2 bon. 2 à 3. J'avais encore bon, moi. Hein, j'avais encore bon. Non, t'avais dit 18 tout à l'heure, c'était 22. N'exagère pas non plus. D'accord, ok. Hop. En fait, du coup, depuis tout à l'heure, le compte Juvamine qu'on voit, je crois, c'est Elodie au final, apparemment. Ok. J'ai vu ça passer. On nous demande aussi si on a fait le tour du monde. On n'a pas fait le tour du monde. On a fait un voyage en Thaïlande il y a quelques temps. On a été aussi en Croatie et on a fait l'Espagne. L'Espagne et l'Angleterre. Voilà, c'est déjà pas mal, j'ai envie oui, de dire. C'est déjà et donc, très si cool. Vous voulez voir des vlogs, vous pouvez aller sur la chaîne secondaire, Julie et Steph. Ouais. Il y a des vlogs de voyage et d'autres vlogs d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller la voir. À aller voir cette vidéo. Oui. Voilà. C'est plus des vidéos plaisir et pour nous, mais on n'en passe pas tout le temps. On n'a pas publié dessus. Bah, en vrai, oui, il y a des trucs de l'été dernier. Voilà, il y a quelques petits trucs. Voilà. Ça peut toujours être sympa. Oui, c'est bien Elodie Duval. Ah! Bah voilà, si tu nous trompes aussi. Là. Non, en plus parce qu'il me semblait bien t'avoir vu au tout début, puis après je me suis dit tiens, on t'a pas revu. Mais voilà. Alors, chez les chimpanzés, les dents de lait tombent vers l'âge de 6 ans. Bah, ça serait pas déconnant en vrai, parce que ça commence pareil chez les humains, à peu près. Un peu plus tôt même, non? Les dents de lait, elles commencent à tomber quand? J'en sais rien. Tu te rappelles plus? Heureusement que j'ai eu des enfants. 6 ans, ça me paraît à peu près ça, quoi. Ouais, à peu près. Donc ouais. ça serait pas déconnant. Ouais, ça serait pas déconnant. Vous avez tendance à dire vrai. Ouais, moi aussi j'aurais dit vrai. Vrai. Alexia dit vrai. Il y a beaucoup de vrai. Hein. Je dis vrai. Allez, on dit vrai. On va voir ce que ça donne. Vrai, j'ai pas cliqué. Vrai. Eh ben non, c'est faux. Les dents de lait sont remplacées vers l'âge de 3 ans. Hop. Tandis qu'elles tombent vers l'âge de 6 ans chez les humains. Donc c'était bien bon pour les humains, ah. Mais pas pour... c'est plutôt dommage, pour, c'est loupé. Pour les chimpanzés. Désolée, Naures Barumi. Je suis pas très douée pour lire les noms. J'ai pas vu ton message, mais en tout cas, je te réponds. Voilà. Je vous ai mis un petit peu au-dessus le lien vers la chaîne secondaire si vous voulez aller faire un petit tour. Voilà. Alors, prochaine question. C'est dur à dire ce mot. Orang-outan. Waouh. Allez, vas-y. Donne naissance en Hong Kong une fois tous les 8 ans. Ah, tu l'as dit, voilà. Qui veut que Stéphane dise orang-outan? Orang-outan. Voilà, orang-outan. Ah, bah, orang-outan. Orang-outan. Elle donne naissance environ une fois tous les 8 ans. Oh, mais c'est dur. C'est très dur. C'est très, très dur. Mais au moins, on apprend des choses, hein. Naïma, on n'a pas vu ton message. Mais bonjour. Au revoir, Will qui s'en va. Ils mettent faux. Moi, je vais vous écouter. Hein, parce que ça y est, il l'a dit, orang-outan. Alors, il y a du faux. Moi, je suis le chat. Parce que là, j'en ai aucune idée. J'avoue que... Tu feras d'autres vidéos pour la fête des pères. Je sais pas, mais il y en a beaucoup sur la chaîne. Donc vous avez juste à taper fête des pères Manzabule et il y a plein de tutos. Donc, n'hésitez pas. Je sais pas si je vais en faire d'autres parce que j'avoue que j'avais l'idée de cette carte, mais j'ai pas trop d'autres idées. Et j'ai pas envie de faire une vidéo pour faire une vidéo si je suis pas convaincue, donc je ne sais pas. Bon, vous êtes nombreux à mettre faux, donc moi je vais dire qu'on va mettre faux. Allez, mettons faux alors. Eh ben et non, c'était vrai. Donne naissance une fois tous les 8 ans. Il s'agit des plus longs laps de temps entre deux naissances chez un mammifère. C'est vrai que chez l'humain, en général, quand il y en a plusieurs, c'est pas forcément aussi long. Et chez les autres animaux, en fait, j'en sais rien. Chez l'humain, on peut refaire un bébé presque après qu'on en ait fait un. Oui, voilà, c'est ça. C'est que ça peut être très rapide, quoi. Voilà. Bon, du coup, on a été nuls. Voilà. Mais non, on ne savait pas. On ne savait pas. On a appris quelque là, chose. Là, les femelles autruches couvrent à tour de rôle. Waouh. Ah, c'est possible, en vrai. Moi, je dis faux. Mais alors ça, c'est encore un truc féministe. On est obligé de répondre. Non, vous êtes, non, vous êtes absolument pas obligé de répondre. Hein. Il n'y a pas d'obligation à répondre si vous voulez participer avec nous. Voilà, moi, j'ai peur des autruches. C'est vrai? Ouais.
T'as peur des autruches? Ah ouais, c'est vraiment... En vrai, c'est vrai que c'est impressionnant quand même. Dans la réserve naturelle de Cerza, quand on allait, il y a un endroit où tu peux te promener en fait, où il y a des animaux en liberté. Donc maintenant, c'est beaucoup des chèvres, des choses comme ça. Mais avant, il y avait des émeus. Donc c'est un peu comme oui, des c'est autruches, un peu plus petit, mais en plus petit. Et je flippais. Bon, peut-être c'est parce que j'étais petite aussi. Mais oui. Du coup, j'en ai un souvenir. Et du coup, c'était resté, quoi. Voilà. Donc moi, j'aurais dit vrai, franchement. Moi, je disais faux, mais... Non, mais depuis tout à l'heure, tu te trompes. Mais en fait, donc, c'est vrai. Moi, je dis vrai, vas-y. Pour une fois, c'est oh, vrai. Oh voilà, non, mais c'est moi, bon. J'ai tout faux. Voilà, alors, donc en fait, c'est animaux, toi qui as faux. Voilà, c'est toi qui as faux, c'est tout. Quand tu dis un truc, maintenant, c'est simple. Quand Julie... Alors, faut tu réponds quoi, Julie? Tu la serbe blanche pond son œuf sur une branche. Réponds. Alors, tu dis vrai ou faux? Vrai. Tu dis vrai, bon bah on va mettre faux alors, hein. Vous en dites quoi à vous? Moi ça me paraît un peu chelou quand même. Parce que c'est... Tu dis vrai? Fatal Moon, elle a peur des araignées. Ouais, je dis vrai, ouais. Bah c'est... moi je dirais faux hein, quand même, parce que sur une branche... Ouais. Merci Mathéo, c'est trop gentil. Donc bah ça fait quoi? Ça va me donner quelques centimes en fait. Et au bout d'un certain... une certaine somme, je crois que c'est 10 euros, je crois, je peux les débloquer, je débloque cet argent et ça me permet de racheter du matériel pour faire les vidéos. Donc merci beaucoup, c'est très gentil. C'est quand le prochain live? Le prochain live, c'est mardi prochain à 21h, comme tous les mardis. Et vous êtes... Ah, c'est mitigé, ouais. Ah, il y a vrai ou faux? Il y a des vrais, hein, il y a des vrais. Hein. Il y a plusieurs personnes aussi qui ont peur des araignées. J'avoue que c'est assez commun comme peur. Merci, c'est trop gentil. Au revoir, le farmer du 80. Merci d'être venu. De toute façon, ne sois pas triste. Je pense qu'une fois les petites questions terminées, on... On sera pas loin de la fin. Au revoir, donc toi, Julie, merci. Tu redis vrai, moi je dis faux. Et ben, pour une fois, t'avais bon. Donc tu, en fait, du coup, je sais pas comment faire, quoi. Elle pond son œuf en équilibre sur une branche. Dès l'éclosion, l'oisillon possède la capacité de s'en cramponner à la branche. Et on me demande comment on fait pour faire un U-tip. Alors, je crois que c'est assez compliqué. Non, maintenant, c'est plus simple. Ah, c'est plus simple. Au tout début, c'était en bêta, mais je crois que maintenant, tout le monde peut créer un U-tip. Peut-être crois. En allant sur alors, U-tip, il faut peut-être juste un... avoir un truc, un truc de créateur, quoi. Voilà. Quand même, il faut avoir une page Facebook ou YouTube ou Instagram. Faut avoir un truc. C'est voilà. Super drôle. Merci, je sais. Bah, pas toujours, hein, mais si, je suis toujours drôle, c'est toi qui a pas toujours en bon niveau. Il y a des branches fines, ouais. Alors après, peut-être qu'il choisit les branches en fonction oui, de aussi, l'endroit ouais. Où il veut pondre. Parce que j'avoue qu'en équilibre sur une branche, c'est pas évident, quand même. Voilà, alors... Le kangourou mesure 2,5 cm à sa naissance. Je sais que c'est tout petit. Ouais, moi je dis vrai. Parce qu'il se planque dans la poche, justement, donc moi j'aurais dit vrai aussi. Vrai. Vous dites quoi? Ouais, on se trompe beaucoup ce soir, j'avoue. On n'est pas très fort, là. J'avoue. Merci Mathéo, t'es trop gentil. Vrai. Alors, il y a du vrai, il y a du faux. Merci Rose Girl. Vrai. Vous êtes beaucoup à dire vrai. Trop de dédicaces, je suis désolée. Il y a Louis qui nous dit faux. Alexia qui nous dit vrai. Steph, tu es trop beau, mais merci. C'est vrai. Merci. Tout le monde dit, moi je suis belle, mais lui aussi il est beau. Allez-y, dites-lui en commentaire. Mais non. N'importe quoi. Alors, Julie, vous avez toujours ton chat? Oui. Oui. On l'a toujours et il est toujours bien dodu. C'est ça. Il dort sur le canapé. Voilà. Il passe son temps à dormir. Parce que quand il dort pas sur le canapé, il dort sur. Bon, alors, chaise, Steph, enfin, tu es trop beau. Merci. Bah, bravo, maintenant je vais être gênée. Non mais c'est vrai qu'on n'est pas très fort non plus hein, pour le coup. Alors. Du coup, moi j'aurais dit vrai. Allez vas-y, du coup je clique vrai. C'était vrai. On commence enfin à se rattraper. Mais ça j'avais déjà vu ouais qu'en fait il termine dans la termine la maturation dans la poche et du coup quand ils naissent c'est des tout petits trucs de rien du tout et que c'est impressionnant. Tout à fait. Mais on n'a jamais vu de kangourou. Enfin dans leur milieu naturel. C'est vrai. Vrai ou faux, le manche mâle ne s'occupe jamais de son petit. Moi, j'aurais dit que c'était totalement faux parce que je crois que justement, c'est trop l'inverse et qu'il s'occupe à tour de rôle et tout. Il y a tout un délire autour de ça. Merci, Delphine. Ah, t'en penses quoi, toi ? Excusez-moi, les manchots ne s'occupent... Ah, oh, ça, c'est faux. Ouais. C'est tout à fait faux. Ouais, moi, je crois que c'est faux. Alors, ça se trouve, c'est un truc... voilà. Non, moi, on va peut-être apprendre quelque chose. Truc, c'est faux. Allez, faux, on clique. Ah, c'est faux. Ah, le manche mâle est un père dévoué. D'abord, il couve l'œuf sur ses pattes. Puis, à l'éclosion, il prend soin du petit jusqu'au retour de la mer. Parti à la pêche tout de suite après la ponte. Tu vois, ils font tout un cercle et en fait, ils changent de place pour garder la chaleur et tout un truc. Les hippopotames, tête sous l'eau.
Ah, c'est pas impossible en vrai, parce que vu comment ils sont tout le temps dans l'eau. Moi, j'aurais dit vrai, tiens. Ouais, moi aussi. J'aurais dit vrai, ça. Moi aussi, je dis vrai. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on les voit tout le temps dans l'eau. Donc, pourquoi pas? Allez, vrai. Alors, vous suivez pas mal notre avis, apparemment. Ouais. Je ne sais pas du tout. Non, nous non plus, en fait. On sait pas, en vrai, il y a une part de hasard. On va dire que c'est possible. Franchement, quoi, là, à part exactement. Le truc des manchots, le reste, oui, j'ai répondu. C'était beaucoup de hasard. Aussi, le kangourou, quand même. Oui, et le kangourou. À peu près ouais. Ça. Enfin, il y avait deux, trois au trucs, quand même, par déduction, quoi. Bonne nuit. Par déduction. Du coup, moi, j'aurais dit vrai. Et allez. Le prochain live, c'est pas mardi prochain. C'est vrai, ils réussissent à téter sous l'eau. Pour téter en apnée, ils retiennent leur souffle. Ils sont trop forts. Narines et oreilles fermées. Au revoir, Delphine. Ils utilisent cette technique même sur la terre ferme. En fait, du coup, ils ont l'habitude de faire comme ça. Ils se nourrissent en apnée, quoi. Trop fort. C'est trop belle. Vas-y, essaye de te nourrir en apnée, toi, tu vas voir. Je vais prendre un milkshake. Je vais mettre sous l'eau. Alors, c'est la dernière question. The last question. On part sur les émeus. Durant la couvaison, l'émeu dort beaucoup. En même temps, il a rien d'autre à foutre, hein. Donc. Bah, tu sais pas, toi. Bah, il couve son œuf. Bah, peut-être il peut chanter. Non, mais il t'as assis sur un truc et t'attends. Bah, autant dormir, non? Tu ferais quoi, toi, si tu devais faire ça? Tu dormirais? Non, je lirais un livre. Ouais, c'est ça. Alors, toi qui dors tout le temps. Carte d'anniversaire. Tu peux faire un tuto carte d'anniversaire. Alors, j'en ai pas fait, mais vous pouvez adapter plein de cartes que j'ai fait pour un anniversaire. Par exemple, celle-ci. On peut mettre le nom de la personne et bon anniversaire à l'intérieur. Tout à fait. Voilà, c'était un petit aparté. Qu'est-ce que vous en pensez de cet émeu qui dort? Vrai, vrai, vrai. Mais en même temps, si c'était si normal, pourquoi il nous poserait la question? C'est vrai. Et puis, il y avait une remarque qui disait qu'il doit surveiller. Et peut-être que, du coup, il peut pas dormir beaucoup et que c'est peut-être tout l'inverse, en fait. Genre, pendant toute la durée de la couvaison, il dort presque pas. Et ça serait un truc assez étonnant, tu vois. Si on nous envoie les créations en musique, est-ce qu'on peut mettre dans live la semaine prochaine? Je sais pas trop, en vrai, je sais pas, forcément. Ça essaie de nous l'envoyer. On peut essayer, mais c'est pas sûr. Je suis pas certain. Envoie-moi ta photo à part quand même de ta carte de fête des pères, quoi, celle qu'on a fait ce soir, au cas où on ne puisse pas mettre. Ouais, parce que les musiques, c'est très compliqué. Ouais, les musiques, on peut pas forcément. Ouais. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on choisit? Eh bien, moi, je dirais, merci, du coup, je me rallie à votre avis, un peu, que c'est faux. Ouais, là, voilà. C'est faux. Chez l'émeu, c'est le mâle qui est responsable de la couvaison, toujours à l'affût du danger qui guette ses petits. Il ne dort que par période de 30 secondes à 2 minutes à la fois. Il ne mange ni ne boit. Il perd alors jusqu'à la moitié de son poids corporel. Ouais, c'est un ouf dingue, quoi. Genre, attention. Bonne nuit à ceux qui doivent partir à... Ah bah non, 22h. Bon bah écoute, je crois qu'on va terminer. De toute façon, oui, on va terminer. Moi, je commence à bailler sur en plus. Ça. Donc, du coup, je fais juste continuer. Merci, voir combien. Expert Manon 59 de t'être abonné à la chaîne. Ça fait trop plaisir. On a 6 sur 10, hein. C'est pas terrible. Et bah, ça va. Et bah... Ça va, mais c'est pas génial. On aurait pu faire mieux, quand même. Non, ça va. Sur des trucs qu'on connaissait. Oui, pas. Effectivement. Du coup, Elodie, tu avais raison. Vous dormez à quelle heure, vous? Ça dépend. En général, on se couche assez tard. Mais là, ce soir, on est fatigué, donc... Je ne sais pas trop, ouais. Mais on a encore des trucs à faire, en fait. Donc, la vidéo de demain. C'est ça. Donc, il faut qu'on poste la vidéo de demain, qu'on fasse la miniature et tout. Voilà, donc, on n'est pas encore couché, quand même. Je vous enverrai mes créations de musique à part de la carte. Ouais, c'est mieux. En vrai, parce que ouais, c'est vrai que les musiques sur YouTube, c'est très compliqué. Et que, malheureusement, des fois, si on met un truc même sur un live... Il y a de la musique, après on peut se retrouver qu'on ne peut pas diffuser la rediffusion. Il y a tout un... C'est très compliqué. Et Mathéo, tu tapes Mandzabul tuto savon et tu vas le trouver. Mandzabul tuto savon sur YouTube, je pense que tu vas le trouver. Ouais, c'est comme ça que je l'ai trouvé tout à l'heure. Voilà, il y a un tuto pour faire des savons pour les maîtresses, je crois. Il y en a un autre, mais c'était avec un kit. Et il y en a un autre pour faire les glaces. Tu peux rappeler votre date. Tu mets pas tes lunettes. Et ben parce que des fois je mets mes lentilles et des fois je mets mes lunettes. Voilà. Tu peux rappeler votre date d'anniv. Alors moi c'est le 11 novembre 1987. Vous calculerez pour mon âge. Et moi c'est le 24 mai 1986. Voilà. Merci Lola, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Merci. C'est trop gentil. C'est vraiment très gentil, oui, tout à fait. J'étais en train de lire en même temps, moi, du coup. Parce tu que peux démontrer la carte, peut-être remontrer la carte. Remontrer la carte, oui. Alors, en fait, la carte, elle est comme ça. C'est une bulle. Papa, viens ici, ouvre la carte. Et ensuite, on l'ouvre et il y a un petit cœur qui apparaît un peu en...
en relief avec, le petit message que tu peux mettre, voilà, le message que tu souhaites. Voilà, donc cette carte, il y aura un tuto sur le site internet mandzabu.fr. Je vous mettrai dans les posts, pardon. Ah, Alexia qui nous dit que chez elle, il est 16h. Oui, du coup, forcément. Ah oui. Je vous mettrai dans les posts quand on aura fait l'article, en fait, pour que vous sachiez si l'article est sorti ou pas. Sinon, vous pouvez regarder la diffusion, la rediffusion à partir de demain. Je vais faire la carte. Ouais. Je bug. Oui, moi j'ai des blocages aussi là. En vrai, je crois qu'il est temps qu'on coupe parce qu'on est, à la ramasse là sur cette fin de live. Voilà, en tout cas, on vous remercie d'avoir été là. Oui, parce que vous avez encore été très nombreux. Voilà, c'est ça. C'était très cool. C'était chouette. N'hésitez pas demain à aller voir la nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo de recyclage pour apprendre à fabriquer un sac avec un t-shirt. Voilà, je vous spoil tout. C'est vraiment un tuto très simple. Donc, si vous voulez le faire, recherchez un t-shirt qui ne vous sert plus. Un t-shirt... éventuellement qui est taché ou qui ne vous plaît plus. Voilà, c'est ça. Et puis surtout, demandez l'autorisation. Voilà, si vous n'êtes pas adulte. Voilà, tout à fait. Et vous apprendrez comment faire un petit tote bag avec ce t-shirt. Vraiment, de façon très simple, sans couture. Même toi, tu pourrais le faire. Non, mais je pense. Comme ça, voilà. Sinon, dans les vidéos qui sont sorties, j'ai fait le point. On a fait un petit jeu avec Stéphane. La vidéo est sortie samedi. Allez la voir. C'est vraiment un jeu super sympa que vous pourrez refaire. Un jeu qu'on peut faire à deux. Et d'avoir des feuilles et un crayon. Voilà. En vrai, c'est vraiment trop très sympa. Marrant. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous avez vu la vidéo, nous, on a bien rigolé. Et puis, mais c'est vraiment drôle à faire, quoi. Voilà. Vous pouvez aller voir du coup la chaîne secondaire si vous êtes intéressé par les vlogs. Julie et Steph. Un peu de voyage. Julie et Steph. Steph avec un F. Si vous avez un petit peu de temps à nous consacrer, vous pouvez aussi aller sur le compte Utip. Qui vient d'apparaître dans le chat à l'instant même, c'est fait exprès, voilà, c'est magique. Pour aller en fait nous soutenir en regardant des petites pubs. Des petites pubs, voilà, c'est déjà très bien. Et donc, je pense qu'on a terminé. Oui, c'est ça. Il n'y aura sans doute pas de... Enfin, il n'y aura même certainement voilà, pas de vidéo samedi. Il n'y aura pas de vidéo samedi. Puisqu'on travaille sur les clips. Et donc, la prochaine vidéo qui sortira, ça sera le clip. Et on l'espère le plus vite possible, mais on va essayer de faire un truc bien, donc on va prendre notre temps. On se dit que maintenant, des fois, il faut qu'on arrive à prendre notre temps pour faire des trucs aussi qui soient un peu plus hors travaillés commun, ou hors du commun, voilà, histoire que les vidéos du vendredi, ça soit un petit truc qu'on attend, et puis même nous, on sera vraiment très pressés, enfin, très contents de sortir les choses. Voilà. Donc on vous fait plein de gros bisous, on vous dit bonne nuit. Bonne nuit à tous. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo demain à 10h30, et puis pour le prochain live, ça sera mardi à 21h, et sinon on peut se retrouver aussi sur Insta dans les stories, je fais souvent des petits sondages, voilà, donc n'hésitez pas aussi, si vous pouvez avoir Instagram, de vous abonner, je suis perdue, à mon Insta, et pourquoi pas celui de Steph. Voilà, on vous fait des gros bisous, bonne nuit, merci. Vous pouvez vous abonner à mon Insta tout court, pourquoi pas celui de Steph en mode je le balance. Ah, parce que moi je suis en train de faire ma promo du bien, tu vois. Je sais que tu veux piquer tout, mais... Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc, allez, bonne merci nuit. Merci infiniment d'avoir été là. Bonne nuit, gros bisous. Reposez-vous bien, prenez soin de vous. Et à bientôt. Bye.